Il s'agit d'endormir les gens à bon marché en leur donnant des rêves sans danger. Une des défenses contre l'image, c'est de faire des images qui ne ressemblent pas à la définition sociale de l'image. C'est-à-dire que tant qu'on produit des images aseptisées, comme les images du type 1, c'est-à-dire des images qui ont une fonction, à mes yeux, de dérivation sociale, qui sont faites pour faire rêver les midinettes et leur faire oublier, c'est ça, leur faire oublier leur salaire de fin de mois, bien qu'elles aillent au cinéma en sachant qu'elles vont pour l'oublier et qu'elles ne l'oublient pas en fait. Bon. C'est peut-être aussi un des moyens, et ça pose le problème des conditions de production, enfin des images cinématographiques et des gens qui les produisent, enfin, et de la représentation du monde qu'ils ont et de ce qu'ils veulent faire de l'image. Bon. Parce qu'aussi, on peut renvoyer la balle et dire que ça dépend aussi de ceux qui font l'image, des conditions dans lesquelles ils sont, de l'idée qu'ils ont de l'image et du degré auquel ils acceptent de se plier à ce qui est, à mon avis, actuellement, l'usage social de l'image, bon, de l'image enfin technique, c'est-à-dire un usage onirique, enfin, un usage au sens de, il s'agit d'endormir les gens à bon marché en leur donnant des rêves sans danger. C'est-à-dire pas du tout des rêves fous, des rêves anarchiques, mais des rêves bien circonscrits, avec des images bien fabriquées, définissant elles-mêmes les limites de la folie, enfin, définissant elles-mêmes les limites du degré auquel on peut fabuler, s'identifier, penser des choses farfelues.